Avant l'antenne. Bonsoir, je suis Laurent Damiron, je suis cofondateur de Plush. On est trois journalistes, parce qu'on est toujours journalistes, à avoir créé cette application qui est une application de live stream made in France, 100% made in France, 100% Occitanie, 100% Montpellier. Une application de live stream qui a été créée juste avant que ne soient lancés les Mercat, Periscope et autres Facebook Live, ce qui ne nous a pas vraiment embêté parce que nous avons créé une application de live stream que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, mais qui est fait pour le marché B2B. Parce que, en fait, cette application de live stream a pour objet d'être un outil de professionnels pour des professionnels, pour surtout des grands groupes ou des clubs de sport ou bien des professionnels de la santé qui veulent pouvoir diffuser en direct des images, mais ne pas les diffuser n'importe où et surtout de ne pas donner leur valeur aux grands GAFAS que sont Google, que sont Facebook ou encore Twitter, parce qu'aujourd'hui et demain surtout, il y aura un combat féroce sur la propriété des images. Il faut que vous sachiez, je pense que vous le savez tous, que quand vous mettez une photo sur Facebook ou quand vous faites un périscope, la valeur que vous créez, vous la donnez à... Vous ne la donnez pas à vous, vous la donnez à Facebook ou à Twitter ou à Google. Beaucoup ne s'en inquiètent pas, s'en fichent même complètement, puisqu'ils récupèrent, eux, beaucoup de gens qui viennent regarder ça. Ça fait du buzz, ils ont des likes, ils ont des retweets, ils en sont très contents. Mais il y a de plus en plus de professionnels qui, eux, prenons l'exemple des clubs de foot, par exemple, qui, eux, se posent la question de savoir si, effectivement, quand ils vont faire une interview exclusive de leur président, prenons l'exemple d'un de nos clients, le Montpellier Hérault Sport Club, si Louis Nicolin, demain, le président emblématique de ce club, annonce qu'il arrête le football, si c'est en direct sur un Facebook Live, eh bien, toute l'audience ira sur Facebook et non pas sur le site du club. En revanche, avec une solution comme Plush, non seulement on va être en direct sur le site du club, mais on va se servir des réseaux sociaux pour rapatrier toutes ces communautés sur son propre site et ainsi avoir l'audience sur son site. Il y a énormément de professionnels qui payent très cher des sites vitrines qui ne servent à rien aujourd'hui. Là, ils vont pouvoir les maximiser, ils vont pouvoir les rentabiliser. Ils vont pouvoir, par exemple, pour le club de foot, avoir des sponsors autour, avoir la vente des maillots, des abonnements, etc. Je ne vous l'explique pas plus, vous l'avez compris. Vous allez voir que demain et après-demain, cette notion de droit est très importante. Aujourd'hui, ici, on présente aussi une mini-caméra qui est la Plush Eye. Je vous en parlerai un prochain épisode. Merci. Merci à Plush et bravo.